mètres. Ça a une antenne ça là même. Bon, antenne ça là, l'irélé et Torre DTV. Ok? Torre DTV. Et là, Mgadou, c'est lui qui est responsable de la communication en dedans Brasilia. C'est lui qui contrôle la communication Brasilia. Dans la zone ça nous est là, ou bien à côté là qui c'est secteur hôtel, c'est seulement hôtel qui est dans la zone ça. Et puis à côté là, ou bien secteur radio TV. Ça veut dire à côté là, dans l'autre bois. Donc c'est radio TV, ça ouais là, des côtés là pour venir prendre plaisir, pour venir chita la nuit, le soir, belle lumière, belle distraction, un pile bay qui attire moun la souvin là la nuit principalement. Donc on a besoin d'un pile bagay qui a pété les sous. Là nous dans zone ça là, j'aime dire là, on va regarder à côté là, donc zone ça là, on joint un pile hôtel. Et puis c'est radio, c'est toute station radio, centrale, télévision, où je suis dans la zone ça. À côté là, c'est hôtel. Donc, okay. Et puis devant là, j'ai un qui me promet, je me promet, je vais montrer le stade Manega Richa. Stade Manega Richa, c'est un stade qui a une capacité pour prendre 120 000 personnes. Ok? Bah, c'est Abdila, oui. Pour prendre 120 000 personnes, stade Manega Richa. Et stade ça c'est stade qui a été construit pour Coupe du monde et 2014. Stade ça c'est lui-même qui paraît comme stade national pour Brasilia. Donc j'ai regardé là. Donc c'est lui-même regardé là. Au commencement, on voit là, c'est lui-même. Donc c'est un stade qui très qui gagne en pile capacité moi-même. Et je viens là à plusieurs reprises. Mais il vaut la peine. Vous pouvez rentrer si vous voulez pendant que vous venez là à Brasilia. Vous pouvez rentrer pour visiter. Okay, okay, okay. Et visite pour visiter, pour connaître ce stade-là, comment ce stade-là est. Donc, pile belle bagaille. Non, belle bagaille. Ça, c'est stade Manega Richa. Belle bagaille. Okay? Et zone ça à côté stade-là, il y a. Ou jouent presque tout l'autre club basket. Par exemple, ou gen club qui plus fame, qui plus populaire dans le Brésil, il y a là qui est le club Newton, c'est le wap gade là, basket NBA, mais qui c'est fanatique basket. Donc, wap jouent espace wap gade l'autre bois là. Ça c'est lui-même. Donc, ou ka en pile distraction, tout. Championnat basket, presque Brasilia là c'est lui qui numéro 1 pour Brasilia. Stade ça on regarde là. Okay, club okay, ça on regarde okay, là okay. C'est pour basket. Donc à côté là, vous venez joindre et chambre député, bye, ok? Vous joignez dans la zone ça là à côté à chambre député et puis vous venez joindre palais gouverneur, ok? Qui est le palais sur Buriti. Palace Buriti, c'est côté, on dit c'est pas le gouverneur brésilien. Comment le gouverneur brésilien Il est Ibanez. Gouverneur Ibanez. Okay. Ibanez Rocha. Ok? Côté, donc à côté là, c'est lui même qui est à côté là, Biol. C'est lui qui est à côté là qui relè Palace Buriti. Ok. Donc c'est là où le gouverneur lui-même lui traite tout. Tout dossier sur besoin gouverneur c'est dans zone ça. Donc Brasilia pour moun qui pas connaît Brasilia, Brasilia li gagne 60 ans d'existence. Dans 60 ans d'existence Brasilia et comment Brasilia construit? Brasilia c'est pas li te premier capitale Brésil parce que on pays tant que Brésil qui gagne un capital premier capital avec seulement 60 ans d'existence. Donc Et il m'a dit pour ta questionner comment faire seulement 60 ans d'existence. Et avant, c'était Rio de Janeiro qui était capitale là. C'était Rio de Janeiro qui était capitale là. Donc Rio, où tu joins président à l'époque, président qui était le. Nous avons à peine échappé là. Kubitschek.
Kubitschek, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, qui ça? Dans un voyage qu'il fait, un jour, il décide pour prendre un avion pour voyager au Brésil. Il était voulu pour parcourir tout le territoire Brésil, là, net. Ok? Et Juscelino Kubitschek, pendant qu'il était dans un parcours, il est arrivé sous tête brésilien. Façon que li wè territoire brésilien, li dit wow, zone ça li semble c'est li qui sent Brésil. Et pendant li dit semble c'est li qui sent là, li dit non, mais moi zone ça son zone qui a vide, qui pas gagné, qui pas habité, donc nous ka construire une capitale, nous ka décentraliser Rio de Janeiro. Donc li choisi pour décentraliser Rio de Janeiro, li contacté et meilleur architecte pays a te gagné qui c'est Newton Maya à l'époque. À l'époque, et lui consulté architecte ça et lui mandé pour que architecte là capable bay un plan de capital pour le capable construire, pour le transférer capital là pour le vin Brésilien. Et puis ouais. Allez bien, mon cher, bonne cause. Eh bien, qui s'est passé? Les, ils fait plan pour lui. Donc, architecte là, il fait plan brésilien sous forme d'un avion. Il trace capital là sous forme d'un avion. Côté que vous jouez devant avion, qu'est avion et vous jouez des ailes. Donc, qui ça? Chaque ça est représenté. Là où prend des ailes, c'est ça que fait au relais ici en portugais, au relais ailes aza qui veut dire zèle. OK, aza zèle avion qui fait ou vienne joindre aza nord et aza sud qui veut dire zèle nord et zèle sud. Et puis mita avion qui c'est centre là, centre brésilien et c'est là où va venir joindre zone esplanade 12 ministères côté saute montre zone palais. Donc la zone ça, il considéré comme centre ville là. Et c'est là où choisi mettre palais dans le centre. Et puis donc on va le joindre devant avec derrière qui y aurait les ça écho. On joindre écho nord et écho sud. C'est là qu'on vient joindre zone de écho. Qui avion, c'est là qu'on vient joindre aza nord, aza sud, on vient joindre écho nord et écho sud. Ça veut dire c'est comme ça Brasilia lui-même l'y formé. Donc Brasilia c'est ville j'aime de Dula, c'est une ville qui projeté par un architecte qui est Newton Maya et puis ou jeune président et président à l'époque là qui c'est Juscelino Kubitschek. Donc il a tracé capital là comme ça. Donc il a dit à travers avion ça moun pa gen droit habiter dans zone ça. C'est ça qu'il faut joindre par exemple dans centre là ou joindre dans centre là il pas habitable. C'est seulement bureau l'état par et palais congrès et ministère, c'est seulement ba sa yo ou joine. Et puis dans Eicho yo dans Aza yo ou joine hôtel, secteur banque. Gen secteur c'est seulement banque que ou joine la donne. Gen secteur c'est seulement université que ou joine la donne. Gen secteur c'est l'église seulement, gen secteur c'est l'école. Donc ou vinn joine et organisation ça et c'est organisation ça qui vinn rendre Brasilia les différents de toute l'autre ville ou bien de toute l'autre état. Brasilia normalement n'est pas un état, c'est un district, mais il est considéré comme un état. C'est district fédéral, c'est lui-même qui est capable de dire c'est état administratif tout pays. C'est là par exemple là où joindre et dans Congrès national où joindre c'est parlementaire fédéral seulement qui fréquentait qui plus fréquenté le Congrès national, le parlementaire fédéral, yo, donc yo même, yo travaille directement brésilien. Yo pas travaille dans, yo pas arrêté dans l'état côté oui. Donc yo ka souvent aller la caillou. C'est un comme des cas même Jacques Port-au-Prince, donc on joindre tout parlementaire yo gonfle Port-au-Prince. Mais brésilien non, li ont ti gens divisé, donc on joindre plusieurs types de parlementaires, on joindre fédéral, on joindre distrital, donc on joindre plusieurs. Donc yo chaque yo gagne. Donc on parle de parlementaire fédéral là, c'est comme si on parlementaire fédéral comme si son parlementaire qui pour tout pays là. Presque pour tout pays là. Donc on ça yo fait loi pour tout pays là net. Yo contrôler tout pays là net.
Donc en gros Thomas c'est ça. C'est ça qui l'est qu'on vient là, dans plein bagaille que nous capables partager ensemble avec vous. Dans plein bagaille que nous capables bailler. OK. Express ça fait bon travail. Très bon travail. Service. Donc nous mêmes Brasilia très bientôt grand pile nouveauté parce que nous mêmes c'est faciliter que nous cherchons pour haïtiens. Et très bientôt, dans pile nouveauté parce que. Express, c'est une famille, on a arrêté dehors, non, c'est un train. Ou pas qu'arrêter dehors dans Express. On l'a c'est une pote rouler. Son seule façon pour t'arrêter dehors dans Express Tourisme, c'est seulement si que. Ou ta. Ou son monde, ou pas remis, ouais, haïtien a pu voler. Sauf si t'as un ennemi du progrès. Ouais, c'est seulement si t'as un ennemi du progrès haïtien. Et moi, tout le monde encore, peut-être Thomas qui n'a pas connu d'Express Tourisme. Express Tourisme réglé à faire document pour nous. Et nous, question naturalisation, vous comprenez? Par exemple, pour qui ça m'a parlé? Allez, directement, je pose une question. Une question très importante là. Ok. Maître,